Les gens, que tal, comment est-ce? Il y en a des qui vont me dire, on a frôlé la troisième guerre mondiale. Nancy Pelosi débarque. Les Chinois avaient préparé les tanks, les bateaux pour ça, 150 km, hein, c'est ça va vite. Hein. Quelques bateaux et Taïwan, ciao. Hein. Mais non, les mecs ils sont dégonflés quoi. Non, on fait des exercices en fait. Hein. Le pays qui fout des caméras dans les collèges pour voir ceux qui pioncent puis qui suivent pas les cours. Eh bien, non, un pays où il n'y a aucune liberté. D'ailleurs, ça me rappelle que quelques confinements en Europe et en Amérique latine. On n'est pas très loin de la Chine hein, finalement. Hein. Bientôt, ils vont mettre des caméras dans les collèges pour voir ceux qui suivent les cours ou pas, ceux qui pioncent ou pas. Et puis, liberté. Hein. Bientôt, tu pourras plus pioncer dans ton collège. Non, parce que t'as mal dormi, parce que tes parents sont bagarrés. Sympa. C'est sympa la Chine. Hein. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont monté au créneau. Ils ont sorti tout l'armement, toute l'armée. La grandeur de la Chine. Taïwan nous appartient. Non, excuse-moi, Taïwan, à la base, c'est la vraie Chine, en fait, avant ton communisme de merde. C'est une dictature sordide, hein, c'est... Et puis, bah, je suis pas non plus pro-États-Unis non plus, hein, moi, pour moi, c'est kif-kif-bourrico, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils mettent pas des caméras dans les collèges pour voir s'ils pioncent dans les collèges. Ah ouais, quand même. Mais ils sont très du genre aussi à... Vas-y, je m'en mêle, je fous de la merde, je dégage. Non, la Pelosi, elle s'est barrée direct. Après, si une guerre là-bas dedans, c'est pas leur faute. Ils s'en mêlent, mais c'est pas leur faute. Voilà. Hein. Mais ils ont du genre, ouais, genre, ils ont aussi une grosse armée. C'est comme ça, ils montent leur grosse armée, hein, les Américains, les bombes nucléaires, voilà, si on a ça. Voilà. Maintenant, est-ce que l'Europe va encore se mêler en histoire? Je me demande si t'as la Suisse, on va dire, ouais, on va faire un embargo économique contre la Chine. C'est pas juste qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils. Parce qu'ils vont l'envahir, l'île. Hein. Ah, faut pas croire, Taïwan, c'est bon. Hein. Ils vont pas le faire maintenant. Ils vont attendre quelques temps. Et allez, allez, en 10 minutes, ils envahissent l'île. Hein. C'est petit, hein, Taïwan. Donc, vous allez voir le truc de ouf. C'est ça, c'est le truc qui m'hallucine. L'Europe est non, ils vont encore s'en mêler. Vous voulez encore plus vous foutre dans la merde, ou bien déjà qu'avec la Russie là, et l'Ukraine, vous êtes foutus dans la merde. Alors là, s'il vous plaît, politiciens suisses, français, mais ne vous en mêlez pas. Elle est où l'époque de Villepin où ils disaient non, il faut faire la diplomatie, il faut aller discuter, calmer les choses. Elle n'est plus là l'époque à Villepin. Hein. Non, bah maintenant c'est genre on s'en mêle, on vend des armes, vas-y, on envoie de l'armée. Bravo, monsieur Macron, quelle honte. La France, c'est un pays diplomatique. Hein, d'ailleurs, la langue de la diplomatie, c'est le français, pour si acaso. Donc voilà. Bon, bah je vous laisse. Hein. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai discuté avec un pote qui a vécu dans beaucoup de pays. À 5h du matin, il m'a expliqué pas mal de choses. États-Unis, Argentine, etc. Finalement, je fais ma sieste, mais je suis encore un peu, donc voilà, quoi. J'essaie de chanter le plus vite possible, et puis bouffer le plus vite possible, et dormir le plus vite possible. Voilà. Peace les gens, à plus. Hein.